كتبوني بغيت نقولهم لكم. ثقة، حرية، تفاعل، حب، مواطنة، وأخيرا الإنجازات الرائعة لهذا البرنامج. كنشكر بزاف 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 كل اللي تفاعلوا في هذا البرنامج. Nous sommes réunis aujourd'hui sur un programme de l'UNOPS, qui est le programme Moucharaka Mouatina, financé par l'Union européenne et soutenu par le CNDH et le ministère délégué au Parlement. L'heure joyeuse a donc fait un projet intitulé Moucharaka Mouatina, des jeunes des quartiers défavorisés de Casablanca. Et à ce titre, aujourd'hui, c'est la capitalisation de ce que nous avons pu faire depuis décembre 2019. Il faut savoir que nous sommes très très fiers pour ce projet, car il rentre aussi dans l'ADN de l'heure joyeuse, c'est-à-dire notre mobilisation au niveau des jeunes depuis plus de 12 ans, au niveau des quartiers, notre accueil, notre orientation qui les conduit jusqu'à l'employabilité ou aujourd'hui jusqu'à l'entrepreneuriat impactant. Alors il faut savoir que nous avons travaillé sur 3 territoires, 2 territoires qui sont des préfectures, Ainsva et Ainshok, et la province de Nouasseur. Nous avons donc collecté, reçu, renforcé les associations de quartier. Nous avons échangé, nous avons obtenu donc les besoins des jeunes. Ceci nous a conduit d'une manière très, je dirais, très impactante pour eux et pour nous à créer une plateforme qui est un LinkedIn destiné aux associations de quartier qui vont leur permettre d'avoir gratuitement, c'est important parce qu'il existe beaucoup d'autres sites, mais celui-ci, cette plateforme est gratuite et elle va permettre les échanges entre associations, elle va permettre les questions entre associations, le renforcement de capacités entre associations, peut-être même demain les échanges avec les services territoriaux. Donc pour nous, c'est une grande fierté d'avoir mené à bien ce projet. Loubna Ben Saleh, coordinatrice du projet Moucharaka Mouatena des jeunes des quartiers défavorisés de Casablanca. Ce projet a 2 objectifs. Le premier concerne les jeunes. Donc nous avons comme objectif de favoriser l'implication de 300 jeunes dans les débats des politiques publiques et leur réinsertion dans la vie socio-économique. Le deuxième objectif concerne les associations et nous avons comme objectif de renforcer les capacités de 10 associations de quartiers afin qu'elles puissent mieux accompagner les jeunes des quartiers. Ce projet, il est implanté sur 3 préfectures du Grand Casablanca, la préfecture de Ain Chok, la préfecture de Ain Sebaa El Hayl Mohammedi et la province de Nouasseur. Oumaymem Hijer, responsable des opérations au sein de l'association L'Heure Joyeuse. Aujourd'hui se tient le séminaire de capitalisation du projet Moucharaka Mouatena des jeunes des quartiers défavorisés de Casablanca, en présence des acteurs et des parties prenantes du projet, pour revenir sur les événements phares, sur les réalisations, et pour ainsi mettre en lumière et en exergue la contribution, c'est-à-dire des partenaires institutionnels, publics, privés, les associations de quartiers qui ont été, c'est-à-dire une partie prenante très importante au sein du projet, et bien évidemment les jeunes qui vont venir aujourd'hui présenter leur dossier de revendication et montrer comment leur participation a été citoyenne et très active et comment eux-mêmes souhaitent mener le changement au niveau de leurs écosystèmes et environnements propres. Donc cet événement nous est très important et parce que nous capitalisons sur les réalisations du projet et nous faisons un appel à mobilisation des différents acteurs qui vont rejoindre et venir soutenir le projet pour sa continuité, sa pérennisation. Nous remercions bien évidemment toutes les parties prenantes ici présentes aujourd'hui.